Bonjour à tous, alors aujourd'hui je crois que je vais faire une vidéo toute seule de crème glacée parce que j'ai personne avec moi, j'ai ni Lubna ni Alia, je ne sais pas où elles sont passées. Coucou. Oh, coucou les filles, je vous avais pas vu derrière cette grosse boîte. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Des glaces, c'est ça? Oui. Oh, mon atelier crème glacée. Eh ben moi j'ai envie de manger de la glace. Hein. Miam, 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 miam. Bon. Alors on va goûter. On va déjà ouvrir et préparer pour faire la glace. Oh, allez, sortez-moi tout ce qu'il y a dedans. Les filles. Oh. Attends. Je vous montre un petit peu de plus près comment à la fin le résultat doit être. Voilà. Donc, nous avons les pots de glace. Donc, alors où nous en étions? Donc, nous avons tout le nécessaire pour faire de la crème glacée. Voilà, une lave-machine pour faire la crème glacée. Les petits pots pour faire la glace. Les cuillères, les filles, sont là. C'est moi qui les ai. Okay. Tac, tac, tac. Et ensuite, donc là, c'est la poignée, le tambour et le couvercle. Ça, je sais pas trop comment... Ils l'ont mis. J'ai tout. Le distributeur, c'est celui-là le distributeur, les filles, à crème glacée. Je crois que c'est ça. Je peux les coller. Attends. Ça doit être ça. Je vais mettre ça comme ça, je sais pas. Donne-moi l'autre, Lubna, s'il te plaît. Ça alors? Pot de garniture. Non, ça c'est un petit peu pour la garniture. Ah ben ça serait ça, mais alors. Tac, tac. Ouais, non, je sais pas. T'en es sûre que ça va là? Bah. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Il manque pas des choses ici. Il y avait rien d'autre dans la boîte? Non, il y avait que ça. C'est bon, on a trouvé comment mettre l'installation de la machine de la crème à glace. On l'a bien décorée. Et maintenant, Loubi va nous montrer ses petits talents pour faire de la crème glacée, sachant que dans le petit récipient, j'ai mis de la glace, tout simplement, qui va normalement se transformer dans le pot en crème glacée. Alors, vas-y, Loubi, tourne la manivelle. C'est dans ce sens? Oui. Attends, ça fait, voilà, j'essaie maintenant là, vas-y, tu tournes, voilà. Donc comme on peut le voir, alors, par contre il y a un petit problème ça, voilà, ça commence à nous faire de la crème glacée. Oui, la crème glacée. Bah, elle arrive, tout doucement, mais comme on a un petit problème avec la machine parce qu'elle se déboîte, quand on tourne, tu vois, Louis. Ouais, non, je sais pas pourquoi elle se déploie. Ça sortait du chocolat alors. Ouais. Après, il arrive bien au chocolat, parce que là. Il arrive bientôt. Ça va être bon, hein. Après, on va bien le décorer
On va décorer la crème glacée avec des petits décors. Oh, regardez, elle bouge pas. De différentes couleurs et différentes formes. C'est bien. Alors voilà, notre crème glacée donc est terminée. Donc ça nous donne un petit aspect comme cela. Voilà, et ensuite nous allons la mettre en dessous pour faire un petit sorbet de chocolat. Mmh, oui. J'aime bien manger du chocolat. T'as pu? Ouais. Bah vas-y, appuie, on va voir ce que ça. Doucement, doucement, parce que tu sais, c'est du. Je peux le faire. Non, va doucement. C'est par de la pâte coquille. C'est de la pâte coquille, c'est ce que je fais. Non, je sais pas pourquoi. Ça ne va pas trop marcher. C'est pas génial cette machine. Hein? Non, il faut pas régaler. Hop, bon bah Louis, tu te régales. Avec ta petite glace. Mais attends un petit peu, attends, ta soeur va faire sa petite glace aussi à la vanille, elle voulait faire. Alors attends. Bon, nous voilà de retour. Donc, on a quand même beaucoup de mal avec la machine à crème à glacer. C'est, voilà. Le rouleau derrière, ben, n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Donc, Alia nous a fait aussi sa petite glace, sa petite crème glacée. Alors, elle, par contre, c'était à la vanille. On va demander tout de suite. Ouais. Ben, si vous voulez, les filles, passez à la, vous allez passer à la décoration. Hop, papa. Attends, décor va. J'aime bien les bruits. Et pourquoi pas ta glace? Hop. On aime bien aussi comme là. Il y a les boules, ça regarde, j'en ai d'autres, des boules, des petites boules. Hop, de toute autre couleur. Oh, c'est joli. Ouais, ça va être chouette. Ça va être délicieux. On va se régaler avec notre crème glacée. En plus, avec cette chaleur, c'est très agréable de pouvoir déguster une bonne petite crème glacée. Avec de belles décorations. Oui. Alors ça c'est sûr. Ouais. Mais là on voit bien qu'elles ont mangé du chocolat. Hein. On aime bien. Oui, t'as mangé du chocolat ou t'en as pas mangé? J'aime bien le chocolat, j'ai envie de tout manger le chocolat. Ouais. Bah alors ça c'est sûr que. Parce que alors là, tu peux pas mentir, hein, t'as du chocolat partout autour de la bouche. Alors, si oui, j'ai mangé tout le chocolat. Tout le chocolat. Et j'ai mal au ventre. Et après tu as mal au ventre. Non, c'est pas le but. Ouais. C'est pas plus utilisé. Ah bon, non. Non. C'est Et toi, Alia? Non, je suis en train de faire la glace. Ta petite crème glacée à la vanille. Oh, les bruits sont là par contre, moi, parce qu'ils ont peur. Roule. Ça roule, ça roule. Là. Mettez peut-être un petit peu de colorant dedans pour colorer la glace. Du colorant? Oui. Ça va être bon? Oh, ça n'a pas de goût. T'as du bleu, t'as du rouge et t'as du jaune. Et aussi, on va mettre ça? Oui, ça. Oui. Bah, toi, sur le chocolat, je ne sais pas si ça va vraiment se voir. Je te mets? Ah oui, pas trop parce que ça colore bien. Mais attention, hein, Loubi, toi, je ne suis pas sûre que ça va se voir. Ça se voit plus sur du blanc? Non. Comme celui-là de Alia. Sur le tien, hein, Loubi. J'ai un goût. Stop, stop, ça ira, Loubi. Moi, je n'en ai pas eu. À l'envers. Fais des pressions dessus. Appuie. Moi, j'arrive pas à l'appuyer. Oh, ah, merci. À quoi vous ça, je vais demander maintenant. Oh, j'en ai là. Ça pas de goût, c'est pas, il n'y a pas de colorant alimentaire, n'a pas de goût. Il n'y a pas de goût. Il est là pour colorer un petit peu, donner un petit peu de couleur. Ça a un goût, ça. Mmh. Maman me régale. Tu te régales?
Il faut casser les trucs. Tu sais. Comment je peux faire? La pluie coulera partout. Je sais. Ah. Allez, le mode de table. Je veux que. Oh, ça a enlevé toutes mes décorations. Le rouge, ouais, bah oui, c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre pas beaucoup. Hein. Mince. On met un peu de rouge. Non, bah t'essaies pas les soeurs, tu remets pas, on met pas dedans. Un peu de couleur partout. Mais non, ça se voit pas, toi. Ça se voit pas sur le chocolat, couleur marron. Bon, d'accord. Essaye le rouge. Moi, il se voit pas, hein, ouais. Essaye, mais. Surtout, n'en mets pas trop parce que moi. Attends, écoutez. Alors, verdict. Délicieux. C'est délicieux. La troisième fois. C'est la seule. Stop, stop. Stop. Ça fait trop après. Et mélange. Mélange, Luna. Mélange. Comment tu fais? Tu veux que je te mélange? Comme ça. Pas comme ça. Attends, je vais te mélanger. Oh, c'est cool. C'est pas grave. C'est décoratif, c'est plus là. Alors les filles, vous avez rien à dire? C'est tellement bon. Ouais. Bon. Et regardez comme elle est moi. Elle est toute rouge. Elle est même plus blanche, elle a même plus un petit côté blanc. Ça, comme une tomate. Rouge comme une tomate. Plus rose. Rose tomate. Rose terre. Ça a un goût de. Ça a un goût de chocolat. Eh bien, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ouais, la chanson chaud chocolat. Chocolat. Nous, ben, on a fait une bonne dégustation. La machine n'était pas vraiment super. Restituée. C'était un petit peu vraiment du. Difficile. Difficile de faire marcher le rouleau parce que. Elle avait du mal pour l'écoulement. Bon. Après, au niveau de la déco et tout, c'était super sympa. Et la dégustation a l'air très très bonne. Donc, je vous remercie et je vous dis. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne. Merci à tous. Et me régale. Ça se voit.